Sans les autres, oui. Rahim Baby, Wairam Oui, parce Kraoui. que... Oui, qu'est-ce que Oui. alors, il n'y a pas de présent d'Inakhdaya d'Inneslikin. Ça fait d'Inneslikin. On va considérer absent. Ok, alors, s'il vous plaît. Alors, le but de la distance, voire un cumulus, donc hier et aujourd'hui. Alors, il est affiché chez vous, comme. Donc, je vais créer un nouveau item. Donc, pour qu'on a donné l'alberge pour travailler avec le text box, on va travailler avec le radio bouton. Donc, un niveau de forme 1, je fais ajouter. Donc, comme d'habitude, rappelle que vous avez le formulaire ici. Et notre design. Alors, je peux organiser l'interface de tableau, sinon par la j'insérer des radis boutons. Donc, comment marchent les radis boutons? Voilà, j'ai un radis bouton. Et par exemple, je vais insérer un panel. Le panel équivalent à div. Le panel, on peut déroucher d'autres choses. Maintenant, je peux insérer un bouton dans un panel. Alors, le but de cette EP, on a choisi le calculatrice, mais le PTP, c'est plus simple. Voir les boutons, radio boutons, on une couleur, les radio boutons, ou une couleur, le panel. Donc, je choisis encore un autre radio bouton. Encore un autre radio bouton. Donc, quand je clique sur le radio bouton, vous avez les propriétés ici. Donc, je me fais un ID. Alors, il y a une propriété qui est importante, c'est le group name. Parce que, il y a les, comme vous rappelez, Flash HTML. Si je veux que les radio boutons se cochent par groupe, il faut le mettre name égale le même nom. Alors, là, il y a radio boutons qui se cochent à 1, 2, 3, il faut mettre le même nom. Donc, je vais mettre, par exemple, group name G1. Aussi encore, group name G1. Et aussi ici, group name G1. Puis, je glisse un bouton que je vais mettre avec le texte. Affecter une couleur, l'afficher. D'accord. N'est-ce pas les textes de l'erreur du bouton? Donc, là, par exemple, je vais mettre rouge. Ça, c'est bleu. Et là, je vais mettre vert. D'accord? Sur le panel, je peux mettre juste un label spécifique. Donc, là, ici, la couleur va changer. D'accord. Maintenant, comment on voit qu'une radio bouton est cochée? Une radio check. Et tu vois, je pense, l'autre. Et je cliquerai sur le bouton ici, je vérifie la couleur liquide. Okay. Cliquez sur le bouton, je génère un événement. Je génère l'événement clic. Propriété, événement. Clic, OK. Et clic. Cliquez, je me rappelle le bouton, vérifie lequel il est coché. Donc je fais if, radio bouton 1, égal à 3. Ça veut dire que vous avez coché la couleur rouge. Et dans ce cas, je suis le panel. Panel 1, tu as ID, panel 1, point. Donc, comment faire pour lui affecter la couleur? L'arrière-plan, il y a back color. Alors là, la couleur, c'est le code DLA de la classe color qui doit être importée d'abord. Donc maintenant, point red. Donc la couleur n'est pas importée. Il y a system.drawing. Il faut quand même chier dans des system.drawing pour que je puisse travailler avec la classe couleur. Maintenant, j'ai la plupart des couleurs utilisées. En fait, là, c'est juste rappeler bien sûr, il y a la red.
Oh, c'est une propriété, mais je ne sais pas si c'est retourné. Rallye, il prendra comme des couleurs. Okay? Donc, de même, radio bouton de tannée, if radio bouton 2, point ticket, ou l'égal à troupe, il a été la couleur bleue. Point bleu. OK. Et de même, if non, if radio bouton data point ticket et je fais panel 1 point back color. D'accord, ça veut dire la couleur de l'arrière-plan. Point. Donc, c'est green. Alors, j'exécute le TP, il est prêt. Donc, s'il vous plaît, celui qui active le micro. Saïd, allez-y. Oui. Ah, micro, un micro, il reste. Elle est activée, c'est ça, je pense, oui. D'accord. Les radios boutons, le type radio, pardon, le même nom. Donc, si je l'ai fait, un seul, donc, un liquid. Ben, nous pouvons dire, changer la couleur, changer ma marque. Donc, si je choisis rouge, je clique sur le bouton pour activer cette couleur. Et le pan est en rouge, bleu, vert. Est-ce que c'est OK là? Oui. Oui. D'accord. Pour cet exemple-là, chaque fois qu'un clique, qu'on exécute la méthode bouton un clic et qui change de couleur. Maintenant, je fais une autre mais en fait, ce qu'on appelle des boutons liste. D'accord. Donc, la partie elle est enregistrée sur le vidéo. Donc, je fais ici. Web, webform, webform 2, ajoute. Donc, je fais le design. Je fais rapidement radio bouton liste. Il y a un bouton liste qui est que je mets les radio boutons automatiquement dans les listes. Après, je prends le bouton, je mets le bouton et je mets le bouton avec lequel je vais afficher. Voilà le pan, oui. Donc, dans le pan, je peux glisser quelque chose ici. Par exemple, je peux glisser un lien hyperlink. Alors, hyperlink, on voit l'équivalent de href programmable. J'ai propriété, par exemple, ici, on dit lien vers Google, maintenant, et navigate URL. Maintenant, on peut faire une page parmi les pages de l'index. Ou, on peut faire l'adresse d'un site web. www.google.com. Il va devenir href, ok? Là, tu as la méthode, je peux programmer. Alors, je suis à la liste. Alors, la liste n'est pas toujours prête. Elle ne contient pas de radio bouton. Elle dit qu'il y a plein de radio bouton dynamique. On peut une boucle générer des radio boutons. Mais on dit d'une manière. Changer les éléments, ajouter les éléments. Ajouter le radio bouton en forme liste texte, dire le radio bouton ou mettre un rouge. Le value, il est à dire le raham, sinon c'est le nom de la valeur, je suis un. Est-ce qu'il sera coché ou là, lié select de là, je vais le laisser là. Okay. Je vais ajouter encore un autre élément, ajouter. Donc ça, c'est bleu. Bleu.
De même pour value, ok. Ajoute en note, ça c'est vert. D'accord, cliquons sur le bouton afficher couleur ou activer couleur. Donc le bouton ici. On va sélectionner maintenant. Le parchim mouchki bhal ka c'est le source sélectionné bhal hakan. Donc là, je suis l'événement clic avant. Quand je clique sur le bouton, alors qu'est-ce que je dois faire? Donc, la liste radio bouton liste qui contient des items. Tout le radio bouton est de vos items. Item 0 ou le radio bouton 1, item 1 ou le radio bouton 2, ainsi de suite. Je nous faire est-ce qu'il est coché, selected, yani wesh égal à tout la force. Le qima li aqina ou texte li mktoub rouge rouge ok ben c'est pas le texte ou le value. Là moi je vais faire juste selected index. Alors il a khtar l'oula il y a index égal à 0 ou il a khtar tania index égal à 1 et ainsi de suite. Ok, donc là je vais faire if il faut aller le bouton 1 égal à 0 et il a khtar l'oula li a rouge il a khtar la première elle est rouge. Il y a d'autres nous il y a là en fait sur le programme c'est list item. Donc il a retardé l'oula puis on a le panel de couleur moi aussi le panel point back color égal color. Donc on a une page d'idée d'un importé en red. Donc je dois importer qu'il faut visuel donc il y a une clean-up. Point red, ok. D'accord. De même, je vais copier ça. Il a retard donc l'index tani, le voir bleu, l'item tani, je fais ici bleu. Ou il a retard tilt, le voir l'index 2, un éclat de radio bouton. C'est vert, ou le green. Ok, d'accord, j'exécute maintenant. Il est prêt pour l'utilisation. Donc l'avantage, il y a un group name. Donc, et en plus, un autre avantage, c'est que le radio bouton liste. Mais on ne sait pas avant que comment je vais faire comme le radio bouton. Donc, on peut boucle générer autant de radio boutons que vous voulez. Maintenant, une base de données, maintenant, il y a les noms des couleurs. Ou plusieurs lignes, 5 lignes, 6 lignes. Alors, je vais faire une couleur qui est sur la table. Vous pouvez boucler là, les lignes, les couleurs qui sont sur la table, générer pour couleur d'un élément list item sur radio bouton. Si là je retire le radio bouton manuellement, en fait je retire le radio bouton, enfin pas radio bouton, je vais le facilement. Mais là, c'est dynamique, ok? Donc maintenant, je choisis rouge, je clique sur le bouton, j'affecte sur le panel bleu. Okay. Maintenant, okay, là, donc le bouton, il engendre un autopost, ok? Donc il devient aller-retour. Qui est là, il y a un autopost back, c'est contrôle au poste. Mais qui a fait les radio boutons, les checkbox, les listes aussi. Donc, à bien activer, je vais rouge, un postback executive server. Donc, je vais un bouton droit, propriété, il y a la liste, il y a les radio boutons. Donc, là, je vais aller à auto postback. Auto postback par défaut est fausse. D'accord. Il est fausse partout. Sauf le bouton. Ouais, attends, si c'est par défaut qu'on voit l'accent. Donc maintenant, les leaders, je vais donner un autopost back égal à 3. Alors, un autopost back, tout le match change chez Valoris. Le match change déjà ou checkbox. Donc, ça me suit l'événement mon assibli. Event, ou à la sélection d'index. Cliquez deux fois et il y a fait l'événement par deux. Maintenant, à chaque changement de la valeur ou la de la radio cochée. Radio bouton qui est dans la liste cochée. Vous le mettez de la radio exécute.
pour affecter la couleur. Le travail que je fais ici, pour une calculatrice. Par exemple, quand il y a plus ou moins divisé, ainsi de suite, qu'on a d'autres exports. Moi, d'abord, j'exécute. Alors, ETP ici, tu as un comme j'ai dit. Il y a, je clique à la bouton. Et là, c'est bon. Et vérifie est-ce que n'a pas ce cochon là, l'erreur. Mais maintenant, si je coche rouge, il va lancer Select Index Change. Vous avez changé l'état des radios du bouton et faire actualiser la page ou la faire en auto-postback. D'accord? On voit déjà une attitude, on a donné auto-postback et gratuit. On voit rouge, vert, bon, bleu, vert. Okay. Pas la peine donc de cliquer sur le bouton parce que ça se fait automatiquement. Est-ce que c'est OK là? Donc j'arrête. Studio. Donc, il y a un système de lire à des boutons. Donc, s'il vous plaît, téléchargez la vidéo. Donc, je vais vous mettre un petit peu de traitement. Donc, j'arrête le sujet là. Je vais vous montrer comment je vais faire un traitement maintenant.